Mon livre, Gagner la lutte contre le cancer, la découverte dont la République n'a pas voulu, comme son titre l'indique, parle de découverte et de cancer. C'est l'histoire d'une découverte phénoménale faite par mon père à l'Institut Pasteur dans les années 80, avec des produits naturels. Et là, ça n'a pas plu du tout à l'Institut Pasteur et au lobby pharmaceutique. Alors, on a interdit à Belgian ce qui est publié, il a passé outre, on l'a mis à la porte de l'Institut Pasteur, et il a continué à publier, et là, on lui a un jour envoyé l'armée, le GIGN, pour détruire le laboratoire et l'homme. Il y avait une poignée d'irréductibles qui se sont dit « ça ne peut pas disparaître ». Une telle chose comme ça, ça appartient au patrimoine de l'humanité, il faut sauver ça. Le livre s'adresse à tous ceux qui sont concernés par le cancer et qui ont envie de prendre leur santé en main. Le livre s'adresse aussi à tous ceux qui se demandent pourquoi ça fait 50 ans qu'on nous donne de la chimiothérapie et de la radiothérapie alors qu'il y a des milliards qui ont été dépensés dans la recherche sur le cancer. Et puis aussi, le livre s'adresse à tous ceux qui se demandent ce qui arrive à une découverte quand elle n'est pas conforme aux résultats que le gouvernement qui a financé cette recherche voulait. Mon livre n'est pas un livre de conseils, de recettes, non. Qui suis-je pour donner des conseils thérapeutiques ? Non, mon livre raconte comment cette découverte a été redécouverte et j'emmène avec moi le lecteur dans l'aventure que j'ai moi-même vécue et comment j'ai appris à comprendre cette recherche, à l'apprécier et à me rendre compte de son importance. Quand je grandissais, je ne voulais pas en entendre parler. Je me suis dit, quand je serai grande, je ne veux pas devenir scientifique. Mais c'était tellement beau. Et la violence avec laquelle l'État français a essayé de supprimer cette recherche, c'est ça qui m'a dit, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu chercher. Et ce que j'ai découvert est invraisemblable. Et donc c'est ça que je partage dans mon livre.